Paix et joie, bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés en ce matin à travers cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors la joie, la paix du Seigneur sur toi, dans ta famille, dans le lieu où tu es, que la joie de Dieu te remplisse, que la paix du Seigneur te restaure ton âme, ta vie, ton esprit, ton corps, afin que tu puisses le louer, afin que tu puisses le célébrer en ce matin. Dans le psaume de ce jour, l'on nous dit « Pitié pour moi », c'est une prière que David fait. « Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours là devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Seigneur Dieu de miséricorde, à chaque fois que nous nous levons pour venir dans ta présence, nous voulons confesser nos fautes, nous voulons demander pardon, nous voulons être remplis par ta miséricorde et par ta présence. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander que tu nous laves par le sang de Jésus. Que tu puisses nous accueillir encore et encore dans ta présence par Jésus-Christ de Nazareth, par son sang qui a coulé pour nous. Alors ce matin, je t'offre nos nations, je t'offre nos familles, je t'offre, Seigneur, nos personnes, nos vies, je t'offre tout ce qui est en nos cœurs, surtout tout ce qui est mal à tes yeux, que nous faisons chaque jour. Nous te demandons pardon, te demandons, Seigneur, de répandre ta miséricorde sur nous. Ô Seigneur, purifie-moi et purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Purifie-moi, Seigneur, car je ne veux plus être la même personne. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi, mon Dieu, lave-moi. Mon Dieu, je ne veux plus être la même personne. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi de mes péchés par ton sang, Jésus. Lave-moi de mes penchants mauvais. Je ne veux plus être la même personne. Lave-moi, Seigneur. Oui, je ne veux plus être la même personne. Lave-moi, Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est entré dans la vie de Marie-Madeleine, il lui a dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Lorsque Jésus est entré dans la vie de Zachée et de sa famille, Zachée a distribué à la fin tous ses biens, car il a dit, maintenant, rien ne compte à mes yeux que la miséricorde de mon Dieu. Alors lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il n'y a plus rien qui compte que sa miséricorde et son amour pour toi. Alors il te dit ce matin, détourne-toi de tes fautes, par sa force et par son esprit, détourne-toi de tous tes penchants. Quel que soit le péché, nomme-le et dis au Seigneur, aide-moi à me détourner de cela. Et il va t'aider. Il va t'aider en ce matin, il va t'aider en ce jour. Et confie-lui toute ta journée en ce matin et demande-lui de demeurer dans sa sainteté, de demeurer dans cette purification, de demeurer dans ce rachat,
de demeurer dans cette miséricorde intarissable. Alors appelle ton Dieu encore une fois et dis-lui, change ma vie, alléluia. Change ma vie, Papa, change mon cœur, Papa, change ma vie, Seigneur, change mon cœur, Papa, à cette personne que je n'arrive pas à pardonner, Papa, oui, change ma vie. À cette vie désordonnée que je mène, Seigneur, toi seul peux me changer, toi seul peux changer mes penchants, change-moi, Seigneur, je t'en supplie, change ma vie ce matin, car je ne veux plus être la même personne, change-moi. Je ne veux plus être la même personne. Change-moi, Seigneur. Oh Père, je crois en ta miséricorde. Et je sais qu'en ce matin, je le crois, je le proclame, que je suis une nouvelle créature, que je suis à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant, que je suis pardonné de mes fautes, que je suis racheté par le sang de Dieu, que je ne suis plus dans les ténèbres, mais je vis dans ta lumière, que je suis le sel et la lumière de la terre, que je suis un enfant de Dieu, un bien-aimé du Père, et que mon nom est inscrit sur la paume de la main de Dieu, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis une bénie de Dieu, je suis une bien-aimée de Dieu. Alors c'est en ces mots que je te souhaite une merveilleuse journée, que je te souhaite une journée bénie dans la présence de Dieu et dans sa consécration et dans sa sainteté. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.